bien les murmures des grands chênes crapoussés. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'aux rayons enchantés. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. La petite patrouille va trouver le fameux rayon enchanté. En avant, faut pas traîner, pas temps de jouer ou s'arrêter. La petite patrouille, y'a pas de problème, s'en va pour trouver le grand chêne. Lui seul pourra nous aider à découvrir le rayon enchanté. Fierabras, arrête de faire l'imbécile. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Et bien sûr que non, voyons, je ne rate jamais mon coup. Ouais, regarde. Oh, ça fait un drôle de bruit là-dedans. Ces méchants prairies ont failli m'avoir. Bon, d'accord, j'aurais pas dû faire ça. Je regrette. D'accord. Crapousset, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'on doit aller? Oh, il a dit qu'il fallait toujours aller dans la direction d'un autre grand chêne. Il? Qui ça, il? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Le patriarche a dit que l'arbre nous conduirait vers le rayon enchanté. Ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on aille à chaque fois d'un grand chêne à l'autre. Comment? Et ça vous ferait rien de nous donner des explications? On comprend rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça vient du grand chêne. Et peut-être qu'il est pour nous. Écarte-toi, j'arrive. Voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est ça que ça veut dire, t'en es sûr? Il indique toujours la même direction. Oui, ce doit être la direction du prochain grand chêne. Nous n'avons qu'à la suivre. Ouais, c'est une sorte de pointeur. Allez, petite patrouille, en avant toutes. C'est Pierre Abra qui a voulu s'amuser.
sent mauvais. C'est moi. J'ai fait la connaissance d'une malodorante. Bah, toi alors, on peut dire que t'as le génie des rencontres. Sois un peu sérieux. Il faut que tu arrêtes de faire l'idiot. D'abord les méchandriers et maintenant ça. Tu nous ralentis. C'était pas mon intention, je t'assure. Il ne l'a pas fait exprès, c'est pas sa faute. À mon avis, Fierabras devrait aller devant. Très loin, très loin, très loin devant nous. Oui, c'est d'accord. Et je trouverai le meilleur chemin, c'est promis. Vous croyez qu'il va s'en sortir tout seul? Quel immense espace! Attention, ça pourrait être dangereux. Pas si dangereux que ça, on dirait. Ça avait l'air d'être drôlement en colère. Pourquoi il t'a pas dévoré? La terre tremble à nouveau. Ça revient, sauf qui peut. Y'en a des tas. C'est sûrement une très grande famille. Il faut qu'on traverse. Non, ces choses sont trop dangereuses. Si elles nous attrapent, on va finir en bouillie. Oh non, je veux pas finir en bouillie. T'en fais pas, Ciboulot. Tu sais, je crois que ces tonnerres... Ces tonnerres qui roulent, ils veulent rester sur le long ruban plat. Ils sont peut-être obligés de rester dessus. Il faut qu'on traverse. On ne va pas traverser, c'est hors de question. Moi non plus, j'ai pas envie de traverser, Prudence. Mais comment faire pour trouver le prochain grand chêne? Ça, si je le savais. De la musique. C'est sûrement un oiseau qui chante. Non, je ne crois pas. C'est mélodieux. Et ça vient de sous la terre. Ouais, c'est ça. Oui, parfaitement. Alors c'est quoi? On va bien voir. Vous entendez? La musique vient de là. Les plus petits à l'arrière. Crapounet, eh bien ça alors, vous êtes en retard. Les autres sont passés ici il y a très longtemps. Est-ce qu'ils cherchaient le rayon enchanté? Mais oui, bien sûr, eux aussi. Oh, quel est celui d'entre vous qui sent si mauvais? Fierabras, il a rencontré une malodorante. Et le tonnerre qui roule a failli l'écrabouiller sur le long ruban plat. Le tonnerre qui roule? C'est bien trouvé comme nom, mais il ne faut jamais s'approcher de ces engins-là. Et désolé. C'est pour ça qu'on est là, nous, les guides de tunnel. Guides de tunnel? On est là pour votre sécurité, pour vous permettre de traverser sans difficulté. Me voilà, je suis le guide de ce tunnel. J'étais en train de me détendre. On ne voit plus beaucoup de crapounets ici, si tard dans la saison. Viens, allez, je vous emmène. J'ai toujours connu ces tunnels. Ils ont toujours été ici. Il paraît que les anciens les ont construits. Les anciens? Qui sait? J'en sais rien, j'en ai jamais vu. Ils ont quitté la vallée des crapauds il y a bien longtemps. Vous pouvez rejouer un peu? C'était magnifique. Avec joie.
Si tu aimes la musique... Fleur bleue. Tiens, je l'ai fabriquée moi-même, fleur bleue, lorsque j'étais dans la vallée des crapauds. Oh. Voilà de l'autre côté, sain et sauf. Dépêchez-vous, le passage enchanté ne restera pas toujours ouvert. Dites-vous, serez un champignon un jour? Moi? Non, Dieu merci, non. Une fois qu'on a été dans la vallée des crapauds, on peut sortir sans danger. Bien sûr, personne ne veut ressortir, sauf nous, les guides de tunnel. On aime bien aider les plus jeunes. Merci. Petite patrouille, en avant toutes! Tiens. Oh. Quand tu seras dans la vallée, tu joueras pour moi. Oh oui, c'est promis. Mmh. Oh, c'est crapoulet. Oh là là, si seulement Fleur Bleue pouvait aller à l'arrière avec Fierabras. Moi, pourquoi? Oh, parce qu'elle joue faux comme un verre de vase. Oh. 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 Salut, je suis Ménestrel. Et vous, qui êtes-vous? Fleur Bleue. Ah oh ouais, tu joues bien de la flûte. Oh, c'est gentil. Moi, c'est Fortiche. On est la petite patrouille et... Et vous avez raté la grande migration. Et maintenant, vous essayez d'arriver dans la vallée des crapauds avant que le passage enchanté ne se referme. Comment vous savez ça? Il m'est arrivé la même chose l'an dernier. J'étais si occupée à composer de belles chansons que les autres m'ont abandonnée. J'entendais pas les grands chênes. J'étais perdue. Alors je me suis mis avec d'autres crapounets. On a marché longtemps ensemble, eux et moi. La plupart d'entre nous n'a pas survécu. Oh, c'est terrible! Et toi, quel est ton nom, beauté? Je suis Prudence. Quel joli nom! Et voici Boniface et Crapousset. Voilà Ciboulette. Lui, c'est Ciboulot. On est jumeaux! Tiens donc, des jumeaux! Eh! Où est-ce que vous étiez passé? Voilà Fierabras. Il fréquente une malodorante. Bah, oh, t'en fais pas, Fierabras. Je sais comment t'enlever cette odeur. Suis-moi. S'il a raté le passage, pourquoi il n'est pas devenu un champignon? Ouais, à mon avis, il se moque de nous. J'ai pas confiance. Moi, si. Je le trouve mignon. Mignon. Ha ha, nous y voilà. Tu n'as qu'à frotter cette myrtille contre ta peau, Fierabras, et tu vas voir que ta mauvaise odeur va s'en aller. Ménestrel, pourquoi t'as pas été changé en champignon? J'ai failli l'être. Oh. Oh. Eh ben, voyons. Mes amis et moi, on voyait la lumière du rayon enchanté à travers les buissons. On s'est précipité vers le passage et soudain, tout est devenu noir. Le passage s'est refermé? Quand j'ai repris connaissance, c'était comme si je m'éveillais. C'était la saison suivante et pourtant, j'étais toujours un crapounet. Et j'étais entouré de champignons de pierre. Oh là là. Ils doivent te manquer, non? Le patriarche m'a posé des tas de questions. Il dit que je suis le seul crapounet à être revenu de là-bas. Il essaie de savoir pourquoi. Salut tout le monde, ça a marché, je sens bon la myrtille. T'as réussi ton coup, Fierabras. Ça devient une habitude. Oh.
J'espérais qu'on arriverait au grand chêne avant que le ciel bleu devienne tout noir. Trop tard maintenant. Je suis désolée. Ouais, je suis bon à rien, c'est clair. Pour faire des bêtises, t'es très bon. Je vais vous ramener au chemin. D'accord, allons-y. J'aimerais faire quelque chose qui soit pas une bêtise, juste une fois. Pourquoi tu ne viens pas avec nous dans la vallée des crapauds? J'ai pas envie. J'adore la forêt. Je m'y sens chez moi maintenant. Mais tu n'as jamais franchi le passage enchanté. Comment peux-tu être sûr que tu ne seras pas changé en champignon? Oh, j'en suis pas sûre. Et le patriarche pense que c'est possible. Oh, si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais, fier à bras. Il n'est plus obligé de marcher à l'arrière maintenant. Waouh, fier à bras. Fier à bras. Il a peut-être fait une bêtise. Il perd pas de temps. Je vais faire demi-tour pour le chercher. Moi aussi. Ouais, on y va tous. Fier à bras. Fier à bras. Qui nous entend? Fier à bras. Il n'est pas ici. Ouais, peut-être que le serpent l'a eu. Ou alors, gros bec. Il a laissé sa corde bien enroulée. Peut-être bien qu'il s'est enfui. Enfui? Pourquoi il s'enfuirait? On n'a pas cessé de le critiquer. Ah, tu crois qu'il est fâché contre nous? Moi, je crois surtout qu'il est malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher. Comment? On ne sait même pas où il est allé. Bien sûr que si. Il suffit de suivre la bonne odeur des myrtilles. Oh non, c'est encore toi. Allez, vas-y, vaporise-moi. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Je ne veux pas te vaporiser et je regrette de l'avoir fait tout à l'heure. Mais tu m'as fait peur deux fois. Je suis désolée et je voulais pas jouer du lasso. C'était un accident. Oui, je sais. Mais vois-tu, l'instinct, c'est plus fort que la raison. Quel est ton nom? Fier à bras. Moi, c'est Cléopâtre. Mais mes amis m'appellent Cléo. Faut pas m'avoir pour ami. À cause de mes bêtises, je fais tout rater. Venez vite, hein? Ça sent les myrtilles par ici. Quelle fleur tu as, Crapousset? Je regrette vraiment d'avoir vexé Fier à bras. J'aimerais qu'il soit là. Moi aussi. Mais pour les âneries, c'est vraiment un as. Ils ont pas besoin de moi. Tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Et en plus, je ralentis le groupe. Je suis certaine que c'est faux. Et c'est vrai. C'est ma famille. Ce sont mes amis aussi. Et je veux qu'ils arrivent dans la vallée des crapauds. Il vaut mieux que je disparaisse. Et qu'est-ce que ça fait si je suis changée en champignon? Il ne faut pas que tu perdes confiance aussi vite. On n'a pas tous la chance d'avoir une famille, ni des amis qui pensent à vous. Je sais de quoi je parle, figure-toi. T'as pas d'amis, c'est ça? Ouais, quand on sent mauvais comme moi, on fait fuir tout le monde. Ça alors, j'avais jamais pensé à ça. Bien sûr, j'ai pas beaucoup d'ennemis non plus. Même Erebus s'approche jamais de moi. Mais toi, tu as toute une famille qui se fait probablement du souci pour toi. Ouais, et ils commencent à me manquer, tous. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils font? Tu crois qu'ils sont partis vers le rayon enchanté? Non, hein? Je parie qu'ils sont en train de te chercher dans toute la forêt. Oh non! Je croyais que ça les aiderait si je m'en allais. Mais au contraire, ça leur crée encore plus de problèmes. Allez, courage! Il doit plus être très loin. Moi non plus. Même que je suis prêt. Sauf qui peut! De l'autre côté! Eh bien, mes amis, vous voilà en bien mauvaise posture. Qu'avez-vous à dire? Oh, si fier à bras! Oh! Hé, hey, ce cher Erebus! Oh, oh, oh. On est content de te voir. On est tous très contents. Et on est désolés. Ouais, merci de nous avoir sauvés. C'est mon amie Cléo. Elle m'a dit que fuir, c'était pas une solution, même si je fais rien qui soit utile à la petite patrouille.
Mais tu es très utile et tu comptes beaucoup pour eux. Ah oui? Bien sûr, le nom de tonnerre qui roule, c'est bien toi qui l'as inventé. Et la malodorante et le long ruban plat aussi. Et le buisson à picou? Et gros bec? Tu nommes les choses, tu inventes des noms, tu es doué pour ça. Tu es un donneur de noms en fait. Ah oui? Et ça, c'est important. Si on ne nomme pas les choses, on ne peut rien échanger. Impossible de communiquer. La petite patrouille a besoin de toi. Ouais, ouais, c'est moi le donneur de nom du groupe. T'entends ça, Cléo? Je suis vraiment douée, je sers à quelque chose. Excellent. Et si tu me donnes un plus joli nom que malodorante, je vous emmène sur mon dos jusqu'au prochain chêne. Marché conclu. Venez, tous en selle. Il veut qu'on monte tous sur cette malodorante, non mais alors? On pourra toujours se parfumer à la myrtille. Tu es sûr de ne pas vouloir venir dans la vallée des crapauds? Sûr et certain. Mais je suis toujours dans les parages. On finira par se revoir un jour. Oh, j'espère. Joue de la flûte tous les jours. Au revoir, Ménestrel. Et merci pour tout. Cramponnez-vous, je suis une rapide. Les méchants treillis, les buissons à picou. Comment tu fais pour trouver tous ces noms? Je ne sais pas, Ciboulette. Ça me vient comme ça, naturellement. Thank you.